Babou, des bons plans, des prix fous. Babou, Babou. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Hebdo. Cette semaine, c'est Thomas Domingo, le capitaine des Jaunes et Bleus, qui va répondre à mes questions. On le rejoint tout de suite dans le nouveau vestiaire des joueurs de la Tribune Ouest. Bonjour Thomas, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui dans ce nouveau vestiaire en Tribune Ouest. Qu'est-ce que tu en penses déjà de ce vestiaire ? On va dire que c'est un peu mieux agencé, on peut plus s'échanger tous ensemble avec les kinés aussi à vue. Donc du coup, c'est vrai que pour tout ce qui est préparation d'avant-match ou les straps, les choses comme ça, c'est plus pratique. Comment tu vois cette équipe de Bordeaux que vous allez affronter samedi, qui a perdu la semaine dernière chez elle ? Est-ce qu'ils vont être un peu revanchards ? On s'attend à un gros combat de leur part, on sait que ça va être compliqué parce qu'ils font un début de championnat un peu dur pour eux. Donc ils vont venir avec beaucoup d'envie et d'agressivité, donc il va falloir être vigilant, sachant que sur les trois premiers matchs, le match on va dire le moins abouti, où on a été un peu plus en dur, ça a été le match à domicile, et je pense qu'ils vont venir avec beaucoup d'attention aussi par rapport à ça. En ce qui concerne la mêlée clermontoise, elle est performante depuis ce début de saison. Est-ce que Didier Besse vous a apporté quelque chose avec Jono ? Oui, je pense que oui. Enfin, on a quand même beaucoup travaillé sur ce secteur. On avait peu de temps avant le début du championnat pour corriger on va dire, nos petits défauts, nos petites erreurs individuelles et collectives. Et c'est vrai que Didier avait quand même fait pas mal de travail en amont sur la saison dernière en corrigeant des mauvaises habitudes individuelles, mais aussi collectives, parce que c'est important de... Le collectif est très très important dans une mêlée. Tu nous parlais en tout début d'interview de ce vestiaire qui permet de mieux communiquer. Justement, la question des supporters cette semaine se porte là-dessus. Depuis le début de cette nouvelle saison, tu es capitaine de l'équipe. Que dis-tu aux joueurs lors de ta causerie d'avant-match ? Est-ce compliqué de trouver les mots qu'il faut ? Pierre, c'est vrai que ça n'a pas été évident dès le début à trouver les mots, parce que c'est pas vraiment, on va dire, c'était pas forcément ma nature. Après je dis rien de particulier, j'essaie de rassembler un peu tout le monde, essayer de motiver tout le monde, avoir les bons mots pour pouvoir basculer, on va dire, vite dans le match et essayer de sensibiliser, on va dire, le maximum de joueurs en même temps. Il y a certains joueurs, ils ont pas besoin d'être, il faut pas forcément beaucoup leur parler ou les choses comme ça. Après c'est vraiment individuel, faut arriver un peu à cerner tout ça. D'accord. Je te remercie en tout cas d'être venu aujourd'hui et puis bon match ce week-end. Ouais, merci. Vous avez des objets ASM qui traînent dans vos placards ? Partagez-les, exposez-les ou venez les échanger à la Bourse ASM qui aura lieu le samedi 3 octobre. Vous pouvez vous inscrire du 10 septembre au 26 septembre. Vous avez toutes les informations sur notre site internet. Vous découvrirez dans quelques semaines un nouveau programme sur ASM TV qui vous met à l'honneur. Portrait de supporters. Vous pouvez toujours trouver des places pour la rencontre face à Bordeaux ce samedi sur notre site internet. Coup d'envoi du match samedi 18h30 en direct sur Rugby+. Quant à nous, on se retrouve mi-octobre pour la reprise du top 14. Salut! Babou, babou. Liste et adresse des magasins sur www.babou.fr. Babou, babou.